Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Une année s'achève, une autre commence. 2019 se termine dans un déni social, écologique et économique. Alors pour 2020 et pour l'aborder de manière objective, quoi de préférable que de faire sauter les verrous de nos consciences formatées aux médias de l'intox? 10. Voilà le chiffre. 10 milliardaires, oligarques du BTP, de l'armement, du luxe ou encore de la téléphonie, qui détiennent 90% des quotidiens nationaux vendus chaque jour. La télé, les radios qui totalisent respectivement 55% et 40% des parts d'audience. Bernard Arnault, Serge Dassault, François Pinault, Patrick Drahi, Vincent Bolloré ou encore Xavier Niel, bref, vous les connaissez, ils font la une de la presse People pour la vie luxueuse qu'ils savent nous offrir. Comment garantir la liberté de l'information ? Le pluralisme de la presse. Conflit d'intérêts, censure, pression, licenciement, cette possession des médias peut nous questionner sur la légitimité et la valeur morale des informations délivrées. Aussi, un des meilleurs moyens est d'aller chercher l'information. Un sujet, hop, un clic sur Ecosia, et vous ouvrez la pluralité. Ouvrez votre curiosité. C'est elle qui vous permettra de vous émanciper du discours ambiant. Approfondissez les sujets. Ne republiez pas si vous n'avez lu que le titre d'un article. La frénésie avec laquelle nous est jetée au visage l'information doit nous alerter sur la prise de recul nécessaire à la compréhension et à la retombée de nos émotions les plus instinctives. Mais apprendre, connaître et appréhender le monde d'une nouvelle manière, c'est aussi la lecture d'ouvrages. Voici donc une petite liste non exhaustive de livres qui me paraît être un bon début en cette nouvelle année pour appréhender les luttes à venir. Ici un petit ordre chronologique de lecture qui me semble opportun. En premier lieu, mieux saisir le contexte dans lequel nous vivons. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur le réchauffement climatique en cours et ses conséquences sur la nature et donc sur l'humanité, je vous conseille « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Ce petit manuel de collapsologie ou bien de théorie de l'effondrement s'appuie sur des études scientifiques qui n'ont jamais été aussi nombreuses aujourd'hui, malgré le déni politique, pour nous montrer notre futur proche. Économique, social ou écologique, la manière exponentielle dont l'humanité a usé des bénéfices de la Terre est sur un point de non-retour. Voilà le contexte. Dans cette ambiance apocalyptique, nous pourrions vite sombrer, être atteints d'éco-anxiété, ce qui pourrait être justifié. Aussi, je vous invite à lire deux autres bouquins qui vous permettront de rééquilibrer votre morale pour affronter l'avenir d'un pas décidé et enthousiaste. Bien évidemment, vous pouvez également commencer par ces bouquins et suivre avec Pablo Servigne, à vous de voir, du chaos à la vie ou de la vie au chaos. Le premier est plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel d'Arleux. Il s'agit ici d'une réflexion sur l'effondrement et notre manière de l'appréhender. Il peut nous paralyser comme au contraire canaliser toutes nos forces pour nous inscrire dans le moment présent et agir, passer à l'action. Pour encourager cette vision, 50% sauvage, la médiation des nations civiles de Cédric Charles Atman permet aussi cette ouverture d'esprit et cette prise de conscience immédiate de notre passivité morbide. Ici vous entrerez dans un magnifique monde dystopique où la lutte entre les destructeurs et les protecteurs de la nature est déjà en cours depuis des décennies. Après la lecture de ces quelques ouvrages, vous aurez redessiné en profondeur votre vision culturelle de notre société. Aussi, cette nouvelle ouverture suscitera des questions sur nos choix de vie, sur l'action immédiate que nous avons dans le présent dans un monde en urgence, sur notre consommation, sur notre habitat, sur nos liens avec le vivant, notre alimentation, c'est-à-dire sur nos besoins vitaux. Car finalement, dans un monde en effondrement, ce qui est nécessaire dépend de la subsistance.
même si nous avons peut-être encore l'illusion d'être en sécurité dans notre vie matérielle et individualisée, ce monde-là ne tient désormais qu'à un fil. Avant qu'il ne cède, découvrez la joie du jardin et de la culture, de la satisfaction de subvenir à son alimentation de manière saine, et finalement comprendre que cultiver sa nourriture est une activité pleine de sens. Cultiver son jardin, c'est cultiver son être. Alors initiez-vous à la permaculture par exemple, ou à toutes sortes de méthodes qui permettent de mieux comprendre le vivant par son observation, minimisant ainsi le travail humain et optimisant la nature. Coexister. Pour cela, il existe une tonne de livres sur le sujet, mais celui qui vaut la peine d'être lu pour le comprendre entièrement est celui de Bill Mollison, en 2 tomes. Vous découvrirez l'organisation de votre terrain, les espèces et leurs attributs alimentaires, ou encore celles qui fournissent des matériaux. Vous y trouverez aussi une autre vision des liens sociaux basée sur l'égalité et le respect. Bref, pour ceux qui souhaitent goûter et connaître l'autonomie, la première chose est d'observer et de comprendre, et bien sûr de lire Permaculture de Bill Mollison. De nombreux bouquins existent sur les low-tech, l'habitat alternatif, les énergies renouvelables, etc. Tout ce qui a trait à une autonomie vitale. Finalement, le contexte actuel va nous contraindre à modifier nos organisations et dans tous les secteurs. Il est souvent difficile d'imaginer ce changement. La routine installée de nos cerveaux formatée à un idéal de vie a du mal à se déprogrammer et tolère mal toute intrusion non autorisée. Heureusement, certains auteurs nous permettent de nous emparer de ces sujets difficiles à définir alors que nous ne connaissons aujourd'hui que ce qui nous est proposé. Renaissance écologique de Julien Dossier illustre très bien les défis à relever. S'inspirant pour narrer son ouvrage de la célèbre fresque d'Ambrogio Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement, Julien Dossier nous équipe d'une feuille de route déclinée sur 24 chantiers, passant de l'agriculture à la préservation des écosystèmes ou encore des systèmes de gouvernance. Voilà une réponse concrète aux effondrements à venir. Et parce qu'aujourd'hui nous devons augmenter notre capacité à nous débarrasser de notre individualisme pour aborder le monde de nos envies à travers un seul sujet, celui d'un humain sur une planète nourricière, je vous conseille alors de découvrir Le cosmos et la nature avec Hubert Reeves, l'astrophysicien vulgarisateur scientifique et écologique qui entre étoiles et poésie fait ressurgir notre âme d'enfant écrasée par le poids de la société, ou encore Edgar Morin, célèbre philosophe qui par ses théories nous permet de mieux appréhender notre place en tant qu'individualité et collectivité. Bien d'autres auteurs sont à citer. Ici, il s'agit juste d'une entrée pour janvier 2019. La seule chose qui fera obstacle à votre envie de mieux comprendre ou encore de découvrir le contexte dans lequel nous vivons est soit le déni, soit le manque de curiosité. La curiosité, la découverte, l'émotion suscitée par celle-ci, voilà ce dont nous avons besoin. Celui qui est curieux est souvent audacieux. Et voilà comment progressivement, nous modifions tout un système. Aussi pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite toute la curiosité qui vous sera nécessaire pour vous sentir présent, ici et maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui. Green, comment ? Super green, aussi green que ça peut être. Green, le plus en green, tu vois, mais tu vois le green absolu. Green, green.